bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 2 janvier, dimanche du Saint Nom de Jésus. Je vous adresse tout d'abord mes vœux les plus sincères pour vous-même et pour vos familles de bonne et sainte année 2022 sous le regard et dans la main de Dieu. Voilà, que les injustices auxquelles nous sommes malheureusement confrontés aujourd'hui ne nous découragent en aucune manière, puisque nous savons que au jour voulu par Dieu, nous verrons se dresser enfin la justice de Dieu. Trois séquences dans notre émission. Tout d'abord, l'année 2022 sera une année ignatienne, et donc le père Jean-François Thomas viendra nous parler des événements autour de cette année ignatienne. Ensuite, monsieur l'abbé Philippe Blaguéry de l'Institut du Bon Pasteur viendra commenter les déclarations récentes de la Sacrée Congrégation pour le culte divin, explicitant le motu proprio traditionnis custodes. Et enfin, nous accueillerons Aliette Espieux, porte-parole de la Marche pour la vie qui aura lieu le 16 janvier prochain. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Vous êtes religieux de la Compagnie de Jésus, jésuite donc, et nous sommes cette année dans une année ignatienne. Alors quels événements commémorent cette année ignatienne ? Principalement un événement, puisque l'année ignatienne a commencé en 2021 et va se terminer donc cette année en 2022. L'événement qui est commémoré, c'est la blessure de Saint Ignace au siège de Pamplune. Donc c'est en 1521, le 20 mai exactement. Et le second événement qui va être également célébré, c'est le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace en 1622. La blessure de Saint Ignace à Pamplune est commémorée tout simplement parce qu'on considère que c'est le début de sa conversion, en tout cas de sa nouvelle vie chrétienne. Il était tout de même catholique et catholique pratiquant, mais... Voilà, c'est le début d'un bouleversement intérieur qui va l'amener peu à peu, après bien des tâtonnements, à créer la Compagnie de Jésus en 1540 à Rome. Alors, pouvez-vous justement nous donner quelques éléments clés de la biographie de Saint Ignace de Loyola ? Que doit-on en retenir ? Alors, on doit en retenir tout d'abord que c'est un jeune homme qui est d'une famille de la petite noblesse, basque, donc avec un tempérament très affirmé, ne serait-ce que par sa nationalité. Et puis aussi, c'est un homme qui est plein d'ambition. Donc, il désire atteindre les plus hauts postes, même en étant de petite noblesse. Et il va tout faire pour cela. Donc, il sera orphelin assez jeune, et donc il va se mettre au service de différents seigneurs, y compris d'ailleurs du vice-roi de Navarre. Et il va participer à cette bataille. C'est la seule bataille à laquelle il va participer, à Pamplune, où les Espagnols sont en face des Français et où un certain nombre d'Espagnols d'ailleurs sont du côté français, puisque du côté français il y a Saint François-Xavier, le futur Saint François-Xavier, mais ça il ne le sait pas. Et donc il est blessé et il est ramené dans son château familial avec une jambe totalement brisée et l'autre très abîmée. Et donc la convalescence va être très lourde. Et comme il est coquet, il ne veut pas boiter, donc il se fait opérer plusieurs fois avec les méthodes chirurgicales de l'époque. Ouais. Et il s'ennuie, évidemment, puisqu'il est immobilisé sur son lit. Et il demande des lectures. Et parmi les lectures du château, eh bien, il n'y a pas les romans d'aventure et les romans de courtoisie qu'il aimait lire jusqu'alors. Mais il n'y a que des vies de saints, et notamment la légende dorée de Jacques de Voragine. Et c'est en lisant cette... légende, qu'il a le désir, en fait, de suivre le modèle de Saint Dominique, de Saint François. Donc là, à partir de ce moment-là, il va devenir tout d'abord un pèlerin assez pouilleux, s'installant dans une grotte à Manresa, près de Barcelone. C'est là qu'il va avoir la première expérience de ce qui sera, par la suite, la méthode des exercices spirituels. Et puis, il fera des études, il a le désir de se mettre au service de Dieu, il fera des études, notamment à Paris, où il va rester 7 ans, et c'est là qu'il va rencontrer les premiers
futur compagnon de Jésus, dont saint François Xavier, qui partage sa chambre, qui est également un homme très ambitieux et qui a un caractère aussi très affirmé. Voilà. Alors, après de multiples péripéties, après les premiers vœux de ses compagnons à Paris, mais qui ne sont pas des vœux remis entre les mains d'une autorité ecclésiastique, après avoir tenté d'aller en Terre Sainte pour convertir les infidèles, en fait, ils vont s'installer à Rome, et saint Ignace, à Rome, va obtenir de Paul III l'autorisation de créer un nouvel ordre qui sera la Compagnie de Jésus. Et il va être le supérieur pendant les 16 dernières années de sa vie. Alors, quel est, comme on dit aujourd'hui, le charisme propre de la Compagnie de Jésus ? Alors, je crois que le charisme propre de la Compagnie, dès l'origine, c'est la mission et les missions. Donc, la mission, puisque la nouvelle Compagnie, la toute jeune Compagnie, va prononcer un vœu spécial d'obéissance au pape, non pas d'obéissance aveugle au pape, mais d'obéissance pour répondre aux missions que donne le pape. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une époque où on découvre le nouveau monde. Donc, il y a la nécessité d'évangéliser tous ces nouveaux peuples. Donc, ce sera une part importante du travail de la Compagnie, une part brillante d'ailleurs pendant plusieurs siècles, sur tous les continents, mais aussi les missions, c'est-à-dire que la Compagnie de Jésus ne néglige pas non plus la vieille Europe, et c'est l'époque de l'hérésie protestante, donc il faut regagner au catholicisme les âmes, et les jésuites vont se faire également une spécialité dans ce domaine. Et pour cela, pour attirer les âmes, les jésuites auront comme caractéristique de s'intéresser à tous les domaines de l'humain, tous les domaines intellectuels de l'humain. Donc on trouvera très rapidement des jésuites dans toutes les sphères et de la société et de la recherche intellectuelle et de l'intelligence. Quelle est la situation présente de la Compagnie dans le monde d'une part et en France en particulier ? Alors elle est moins brillante qu'elle ne fut, inutile de le préciser puisque c'est un peu l'état général de l'Église. À la mort de saint Ignace, donc il n'a été vraiment jésuite que pendant 16 ans, donc à la mort de saint Ignace, il y avait déjà 1000 jésuites et à des postes clés pour justement ses missions. Et puis la Compagnie ne va cesser de grandir jusqu'à la grande suppression par le pape au XVIIIe siècle. Et lorsque la Compagnie va renaître de ses cendres au XIXe siècle, elle va de nouveau croître assez rapidement pour atteindre le chiffre de presque 37 000 jésuites à l'ouverture du Concile de Vatican II en 1962. Aujourd'hui, après les hémorragies et le manque de vocation, nous en sommes, je crois, à peu près à 15 000 jésuites dans le monde, à la fois prêtres et frères, le nombre de frères étant évidemment moins important. Aujourd'hui, la plupart des vocations se trouvent en dehors de l'Europe et notamment sur le continent indien, avec beaucoup de provinces et beaucoup de jésuites en formation. Et en France, il reste quoi ? Parce qu'il y avait des lycées célèbres. Oui, alors il reste officiellement des établissements scolaires qui sont sous tutelle de la Compagnie, mais sans présence jésuite pour la majorité d'entre eux. Alors, les établissements les plus célèbres qui subsistent aujourd'hui, c'est Saint-Louis de Gonzague, dit Franklin à Paris, et puis Sainte-Geneviève pour les classes préparatoires, dit Ginette à Versailles. Mais la présence des jésuites est très faible. Donc, voilà, la province de France, qui était déjà la réunion de quatre provinces françaises dans les années 1970, et maintenant elle-même intégrée avec la province wallonne. C'est vraiment maintenant une peau de chagrin que… – Et donc ça représente combien de personnes, les jésuites de cette province aujourd'hui ?– Alors je pense que c'est aux alentours de 700. Alors bien sûr, le plus célèbre des jésuites aujourd'hui, c'est le pape François. Qu'y a-t-il selon vous de jésuite dans le comportement du pape? Alors ça, c'est une question piège. Un peu taquine. Voilà, parce que qui dit jésuite dit jésuitique, qui dit jésuitique dit hypocrite. En tout cas, c'est la caricature du jésuite à partir notamment du siècle des Lumières, mais même déjà un peu avant. Donc chez le pape, souvenez-vous de la définition qu'il avait donnée de lui-même au début de son pontificat. Il avait dit, notamment, entre autres caractéristiques,
Sono forbo, je suis, alors on traduirait dans un français littéral, je suis fourbe, mais ce n'est pas exactement le sens italien. Voilà, il est habile, donc on peut reconnaître dans l'habileté, alors l'habileté peut conduire aux meilleures choses et aux pires choses, ça je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, l'habileté a toujours été une caractéristique du jésuite sur le terrain. Le jésuite a su s'adapter, et bon, ça a quand même écrit des pages d'or de la Compagnie de Jésus et de l'Église. Maintenant, reste à savoir si l'habileté, lorsqu'elle est mise au service de choses qui sont moins nobles, conduit vraiment à écrire des pages d'or. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, je rappelle que cette année ignatienne porte pour titre « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». Merci beaucoup, mon père. Merci à vous, cher monsieur. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un des fondateurs de l'Institut du Pont Pasteur. Vous êtes supérieur général émérite de cet institut. Et vous avez, comme nous, reçu le 18 décembre dernier les doubias de la Sacrée Congrégation pour le culte divin, répondant à un certain nombre de questions à propos de Traditionis Custodes. Alors, qu'y a-t-il dans ce document et quelle est son autorité ? Alors, son autorité, peut-être, commençons par là. Je lis en bas de la lettre de présentation de Mgr Roche, qui est quand même le préfet de la Congrégation pour le culte divin et de la discipline des sacrements, que ce document n'est signé que par lui. Et il y a une petite note de référence en bas de la lettre de présentation de ce document. Le Saint-Père a été informé. Donc, ce n'est pas lui qui signe. Il a été informé à donner son consentement à la publication des présentes, etc., c'est-à-dire les responsables à de Doubia, les réponses aux doutes. Alors, on ne peut pas dire que l'autorité du pape soit directement engagée, mais tout de même, un tel document ne peut pas être signé sans l'accord express du pontife romain. Et donc, même s'il y a cette... ce flou artistique entre l'autorité du pape et celle de Mgr Roche reste que ce document à l'aval de Rome. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il contient, alors, ce qu'il y a dedans, je suis atterré. Qu'est-ce qu'il contient, ce document ? Quelles sont ses dispositions ? Les dispositions du document, alors, c'est vraiment une espèce de chasse aux sorcières de tout ce qui pourrait laisser libre cours à la messe traditionnelle. Et on rentre dans le détail, dans la minutie, etc. On se croirait en 93, hein, 1793. Il faut pourchasser ces prêtres réfractaires qui ne veulent célébrer que la messe traditionnelle. Et quel que soit d'ailleurs leur motif. Alors, je vous passe les 7 ou 9 doubias. On peut plus célébrer dans les paroisses. C'est clair. Si on célèbre dans les paroisses la messe traditionnelle, il faut une autorisation de l'évêque. Et même si on est un prêtre postérieur à ce motu proprio traditionis custodes, on doit demander l'évêque ne peut même pas donner l'autorisation. Il doit d'abord avoir l'aval de Rome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un prêtre ait besoin de l'aval de Rome pour célébrer la messe. Bon, c'est jamais vu dans l'Église. Pas dans les paroisses. Pas annoncé dans les paroisses. Si jamais le prêtre doit biner, parce que déjà il a une autorisation de l'évêque, il ne peut pas biner, c'est dire de messe, hein, deux fois la messe traditionnelle. Et tous les sacrements dans l'ancien rite sont interdits, tous, sauf dans les paroisses personnelles établies avant l'existence de ce document. Quant au pontifical, le pontifical, c'est les deux sacrements réservés aux évêques, c'est-à-dire la confirmation, on peut s'arranger, et surtout les ordinations. Alors là, il n'y a aucune exception possible, les ordinations dans le rite traditionnel, c'est fini, il n'y en a plus, nulle part. Mais alors, ce document est quand même en opposition frontale avec les statuts de votre institut, qui est de droit Mais pontifical. Parfaitement.
parfaitement. C'est une opposition frontale. Nous avons deux garanties, nous, juridiques, qui sont, un, nos statuts, qui disent que le rite exclusif de célébration des saints mystères, de la Sainte Messe, c'est le missel de 62, donc l'ancien missel, et notre décret d'érection qui dit la même chose, puisque notre décret d'érection dit que c'est la liturgie de 1962 et le rite propre, ce qui est une notion juridique très précise. Le rite propre, c'est un rite dont celui qui est ressortissant ne peut pas s'écarter, c'est-à-dire il est tenu de célébrer dans ce rite et à l'exclusion de tout autre. Voilà, donc ces deux remparts juridiques qui sont considérables, on a l'impression qu'ils volent en éclats ici, comme si ça n'existait pas. Alors il est vrai que pour l'instant, il n'y a rien dans ce document, les réponses au Dubia dont nous parlons, il n'y a rien qui attaque directement les anciens instituts Ecclesiadei. Mais seulement le pontifical étant interdit ubiquiter rarum sur toute la terre, on ne voit pas comment on pourrait, en toute légalité, ordonner demain des prêtres dans l'ancien rite, ce que nous avons évidemment toujours fait et que ce que nous ferons définitivement. Alors ça va poser un vrai problème. D'autant plus que les bruits chuchotent, et les bruits, là, pour ce document, ils ont été vrais. On l'annonce depuis 3 semaines, il a fini par tomber, le 18 décembre. On annonce également des visites canoniques, des plénipotentiaires qui visiteraient nos instituts. Est-ce qu'on va les recevoir? Est-ce qu'on va les mettre à la porte? Je ne sais pas. Ceci n'est pas encore décidé, mais ça risque d'être terrible, parce que la première chose qu'ils vont faire, je pense, c'est de suspendre les ordinations. Et un séminaire où on n'ordonne plus, c'est plus un séminaire, c'est autre chose. Voilà. Alors, quels sont les recours juridiques dans ce cadre? On peut toujours faire appel au pape d'une décision d'une de ses congrégations. Je ne sais pas si nous allons le faire, j'espère qu'on va le faire. Je n'y crois pas beaucoup. Quand on connaît le pape actuellement régnant, il n'est gêné par aucun article du droit canon, ni même aucune déclaration du catéchisme de l'Église catholique. Souvenez-vous, quand il a déclaré dans un avion que la peine de mort était inadmissible, dès qu'il est rentré à Rome, il a fait supprimer l'article du catéchisme de l'Église catholique de son prédécesseur, antépénultienne, le pape Jean-Paul II. Il a fait supprimer, rayer de la carte, l'article qui disait le contraire, selon toute la doctrine catholique depuis 1500 ans. Voilà, c'est-à-dire que la peine de mort peut exister à des conditions très précises, mais elle n'est pas, comme le pape dit, inadmissible. Donc, on a affaire à un pape qui ne recule devant rien. C'est-à-dire que quand il a décidé quelque chose, il plie le droit canon, il tord le droit canon, il modifie le catéchisme, et rien ne l'arrête. C'est un jésuite. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un jésuite. Un jésuite qui a un supérieur, il a encore un cadre, c'est son supérieur. Un jésuite qui n'a plus de supérieur, alors c'est le délire. Et nous sommes en période de délire, il faut bien le dire. Ça fait 1500 ans que tous les théologiens, sans aucune exception, admettent la peine de mort, et puis le pape François vient de décréter que c'était inadmissible, vous entendez bien. Et tout est comme ça. Alors on ne sait pas où on va. Alors, comment expliquez-vous cette hostilité militante à l'encontre de la messe traditionnelle, alors qu'il existe quand même à Rome des scandales à la fois sexuels, financiers, qui devraient plus attirer l'attention des autorités romaines que de s'occuper de cette question? Et vous avez évidemment entièrement raison, et on a vraiment l'impression là que le pape et ses dicastères s'occupent d'une question qui n'a pratiquement aucune incidence sur l'Église. Depuis le motu proprio de Benoît XVI, il y avait une certaine paix liturgique qui régnait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette paix profitait, j'allais dire, à l'équilibre de l'Église, etc. Et l'Église, comme vous le dites si bien, a d'autres chats à fouetter que d'interdire la messe traditionnelle. Les prêtres allemands qui bénissent les unions homosexuelles, ça devrait quand même plus intéresser Rome que de pourchasser les prêtres qui s'élèvent la messe traditionnelle. Enfin, c'est une évidence.
mais également tous les scandales pédophiles, même si en France on a exagéré, on a multiplié par 10 ce qui s'est passé avec ce rapport Sauvé, de triste mémoire, il y a quand même des vrais problèmes. Et ça, ça ne semble pas alerter notre pontife actuel, ni ses dicastères. Regardez le sort qui a été fait à ce prédateur McCarrick, bien avant que la presse ne s'en empare, et là, il a été réduit à l'état laïque, pour finir, mais enfin, il a été chargé de mission par le pape, des missions diplomatiques intercontinentales, alors que le pape savait très bien que c'était un pédophile. Alors, c'est plus deux poids deux mesures. C'est je tire sur tout ce qui est à gauche et révolutionnaire, et enfin je cautionne plutôt tout ce qui est à gauche et révolutionnaire, et je tire sur tout ce qui bouge du côté de la tradition. C'est incompréhensible. Alors tout cela est-il bien synodal? S'il y avait un synode, en principe dans un synode ne sont convoqués que les évêques. Et les évêques, il faut reconnaître que c'est pas une denrée très courageuse aujourd'hui. Un évêque courageux, c'est un peu un oxymore. C'est l'obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est la mourante vie de la fable. Les animaux malades de la peste. Un évêque courageux, c'est peut-être qu'il y en aura-t-il un. Si Mgr Lefebvre n'avait pas dit non en 76, bien avant les sacres. Les sacres, c'est une conséquence lointaine. Qu'est-ce qu'on demandait à Mgr Lefebvre en 76? Ben, la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il accepte de célébrer ne serait-ce qu'une fois la nouvelle messe. Et ça, il l'a dit et répété, c'est dans tous ses sermons, ses discours. On lui dit, mais attendez, célébrer une ou deux fois la nouvelle messe avec nous, et puis on arrange toute la situation canonique. Bon, ça, on veut pas. On a des critiques de fond sur la nouvelle messe, et il y a qu'à ouvrir les yeux, les dégâts qu'elle a fait continuent, et les églises se vident, et les séminaires se vident, et j'en passe, et les pires. Donc, c'est le point. Ben, il faut dire non. C'est le moment de ressusciter et de faire nôtre la déclaration du 21 novembre 1974 de Mgr Lefebvre. Non, on n'est pas des marxistes. La praxis de la nouvelle messe, nous n'y viendrons pas. Moi, je n'y viendrai jamais. On me demande de concélébrer pour me donner une autorisation de dire la messe. J'ai 43 ans de sacerdoce, je ne vais pas demander une autorisation de célébrer la messe. Bon, ça fait 4 ans, 43 ans que j'essaie tous les jours, et je m'en porte très bien, Deo gratias, c'est la persécution, c'est une persécution. Alors, maintenant, est-ce que les évêques locaux, qui avaient tout pouvoir avec le motu proprio traditionnis custodes, parce qu'au fond, c'est eux qui décident de ce qui se maintient ou qui se maintient pas dans leur diocèse. L'évêque de Chartres, Mgr Cristori, a dit à plusieurs prêtres, écoutez, pour moi, le motu proprio ne changera strictement rien, on continue comme on était. Alors ça peut se passer comme ça. Reste la question des ordinations. Parce que là, un évêque qui prendrait l'initiative d'ordonner dans l'ancien rite, il s'oppose directement au doubia. Peut-être que ça se fera, et peut-être qu'il y aura des cardinaux, des évêques, on a déjà approché quelques noms, mais c'est pas le moment d'en parler, qui auront le courage de venir ordonner chez nous dans le rite traditionnel. C'est possible. Mais ça reste une décision locale, particulière, et puis on ne sait jamais, c'est l'évêque qui franchirait le Rubicon, il subirait peut-être les mêmes foudres que Mgr Lefebvre en 76 et en 88. Merci, Monsieur l'abbé, de ces précisions, et puis je ne doute pas que nous aurons à revenir sur ce sujet dans les mois qui viennent. Merci, Monsieur l'abbé. Merci à vous. Bonjour Aliette Espieux, merci de nous rejoindre. Vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie qui aura lieu le 16 janvier prochain. Alors, quelle est la situation du combat pour la défense de la vie humaine innocente en France? Alors, actuellement, les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque nous avons une proposition de loi qui nous est tombée dessus il y a un an et qui nous est retombée dessus en début d'année. C'est une proposition de loi qui est tenue par la députée Alban Gaillot qui souhaite faire allonger l'avortement en le faisant passer de 12 à 14 semaines. Entre autres, puisqu'elle souhaite également former les sages-femmes pour qu'elles deviennent pour qu'elles puissent elles aussi avorter. C'est une proposition de loi qui supprime également le délai de réflexion de l'avortement, de l'IVG.
Donc voilà, c'est vrai que les nouvelles ne sont pas très très bonnes et c'est aussi pour cette raison-là que la marche pour la vie est vraiment d'actualité cette année. Et donc, quel est le processus législatif? Cette loi, on est où? Elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle est passée au Sénat, elle en est où? Alors, cette loi est passée en seconde lecture à l'Assemblée nationale puisqu'elle était déjà passée en première lecture le 8 octobre 2020, l'année dernière. Elle est passée en fin novembre, du 29 au 3 décembre cette année. Et puis, elle est attendue au Sénat le 19 janvier, juste après la marche pour la vie. Alors, comment expliquez-vous cet acharnement, je dirais, mortifère, cela en particulier, face à l'opposition des professionnels de santé qui savent très bien qu'à 14 semaines, l'opération est tout sauf anodine? Alors, pour moi, cet acharnement peut s'expliquer par la peur. Pourquoi ? Parce que nous avons essayé de parler à maintes reprises à Alban Gaillot, autant que les professionnels de santé d'ailleurs, et Alban Gaillot a refusé de nous écouter, a refusé de pouvoir discuter avec nous, ou alors débattre ne serait-ce que sur un plateau. Et je pense vraiment qu'Alban Gaillot n'a aucun argument pour faire passer cette proposition de loi, mis à part le fait de vouloir aller toujours plus loin dans ce progressisme qui est meurtrier. D'ailleurs, les professionnels de santé l'ont tous dit, c'est cet acte, cet allongement de l'IVG, en plus de desservir la cause, puisqu'en fait, les médecins vont être dégoûtés pour pratiquer cet acte. Énormément de médecins refusent de pratiquer cet allongement. Beaucoup d'entre eux s'y opposent. En fait, cet acte, non seulement va desservir la médecine, mais en plus de ça, dessert la cause des femmes, pour la simple et bonne raison que cet acte est extrêmement risqué pour une femme, puisqu'il augmente de 20 à 100 fois le risque d'hémorragie et le risque de dilacération utérine, et enfin le risque de stérilisation pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est un acte qui n'est pas du tout anodin, comme vous l'aviez mentionné, et je pense qu'Alban Gaillot n'a vraiment que l'idéologie derrière elle. Alors elle mentionne le fait que des femmes, que 8 femmes par jour partent à l'étranger pour pouvoir se faire avorter à cause des délais en France qui ne seraient pas assez longs. C'est un argument qu'on nous avait également soulevé pour pouvoir faire passer l'avortement de 10 à 12 semaines. Aujourd'hui, tous les médecins le reconnaissent, cet allongement de 10 à 12 semaines n'avait pas fonctionné, et donc cela ne sert absolument à rien de rallonger encore une fois l'avortement en le faisant passer de 12 à 14 semaines. Alors, en fonction de cette actualité, quels seront les thèmes et les objectifs de la Marche pour la vie du 16 janvier prochain ? Alors, les objectifs de la Marche pour la vie, évidemment, c'est le premier objectif, c'est évidemment de faire prendre conscience à la population de ce que c'est qu'un avortement, puisque l'avortement, quel qu'il soit à 14 semaines ou à 3 semaines, c'est la mise à mort d'un être humain qui est innocent. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser également les personnes politiques pour qu'elles puissent elles aussi se mobiliser. C'est vrai qu'on a été quand même soutenu par des personnes, ça on ne peut pas le nier, mais on est quand même assez effrayé de voir le silence de certaines personnes qui d'ailleurs ne sont pas du tout favorables à l'avortement officieusement, mais qui n'osent pas forcément le dire devant les plateaux télé ou dans la rue. Cette marche pour la vie est non pas le couronnement, mais cela fait des décennies maintenant que se déroulent des marches pour la vie, historiquement positionnées à ce moment de l'année, entre guillemets, pour l'anniversaire de la loi Veil. Quel bilan tirez-vous de toutes ces marches pour la vie depuis maintenant des décennies? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah oui, oui, ça fait beaucoup de choses, pour la simple et bonne raison que déjà ça montre qu'il y a toujours une opposition à cette loi. Aujourd'hui, l'avortement c'est devenu un sujet, j'ai envie de dire, presque tabou. On ne peut pas en parler quand on l'évoque sur des plateaux télé. Les journalistes ont peur, ont des frissons. Cyril Hanouna avait reçu un appel téléphonique ou un message de Marlène Schiappa quand il avait osé faire venir Émile Duport sur son plateau. Aujourd'hui, l'avortement, c'est un sujet extrêmement tabou. Et le fait qu'il y ait encore des personnes qui puissent descendre dans la rue pour manifester leur opposition, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ça montre que le combat n'est pas totalement fini. Et puis je tiens à souligner que je vois quand même depuis maintenant un an et demi, depuis que je suis porte-parole, nous voyons en fait une énorme progression dans le mouvement. De plus en plus de jeunes se mobilisent. Aujourd'hui, les jeunes demandent à pouvoir manifester, à pouvoir se mobiliser toute l'année contre l'avortement. Donc c'est déjà un énorme changement.
Je pourrais vous dire par exemple que de nombreuses antennes se sont développées au niveau local en France. Nous en avons désormais à Lyon, à Angers, à Lille. Nous en avons également à Toulon. Enfin bref, énormément. On en a globalement une vingtaine en France, ce qui n'est pas rien. Et donc ça prouve également que de plus en plus de jeunes se sentent touchés par cette cause. Donc la marche pour la vie ne risque pas de diminuer, ne risque pas de s'affaiblir. Au contraire, je pense, et je pense que nous allons connaître un vrai retournement de situation dans quelques années, peut-être pas tout de suite, mais je pense que nous verrons, nous sommes la génération qui, je crois, verra la fin de l'avortement. L'année 2022 sera une année d'élection présidentielle. On n'a pas le sentiment que la défense de la vie sera un des thèmes majeurs développés par les candidats. Comment analysez-vous ce fait ? Effectivement, malheureusement, aucun des candidats ne mentionne l'avortement. Au contraire, d'ailleurs, je trouve. Alors, je pense que je pourrais traduire cela exactement de la même manière que pour les députés qui font passer en catimini cette loi, ou presque. Je pense que c'est la peur. Aujourd'hui, encore une fois, personne n'ose parler de l'avortement puisque c'est un sujet qui est extrêmement sensible, extrêmement tabou. Et je pense que les députés et je pense que les candidats aux élections n'ont pas envie d'évoquer le sujet parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'électeurs. Après, je tiens à souligner quand même que nous avons un candidat qui a su s'entourer de bonnes personnes. Je parle évidemment d'Éric Zemmour qui a su s'entourer de Jean-Frédéric Poisson, un fervent défenseur de la vie qui a toujours été là, qui nous a toujours soutenus. Il s'est également entouré d'Agnès Marion. Agnès Marion qui, de la même manière que Jean-Frédéric Poisson, a une politique pro-vie qui est infaillible. Et puis également de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui est quand même venu à plusieurs manifestations, qui est venu parler plusieurs fois sur le podium. C'est vrai qu'il s'est quand même entouré de bonnes personnes. Donc même si son silence sur l'IVG son silence ou sa parole peut-être un peu tronquée sur ce sujet-là nous étonne, il s'est quand même entouré des bonnes personnes. Ouais. Alors comment peut-on vous rejoindre, d'une part pour vous aider à préparer et d'autre part pour participer à l'événement ? Alors pour participer à l'événement, vous pouvez venir le 16 janvier manifester. Nous attendons encore beaucoup de bénévoles, donc si vous voulez participer et nous aider à organiser, c'est encore possible. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la marche pour la vie, donc il ne faut surtout pas hésiter. Puis vous pouvez également nous aider financièrement si vous ne pouvez pas être bénévole, puisque la marche pour la vie a un coût et nous avons besoin de la générosité de nos manifestants pour pouvoir continuer et perdurer dans notre combat. Merci beaucoup Aliette et nous nous retrouverons donc le 16 janvier prochain. Voilà, cette émission s'achève. La prochaine aura lieu donc le 9 janvier prochain. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Merci.